Salut, je m'appelle Marie-Christine et bienvenue à mon vlog. Alors, j'ai décidé de faire des vidéos pour partager avec vous ce que c'est ma réalité. Je pense que c'est important aussi pour les personnes de l'extérieur de comprendre un peu la réalité d'une personne malvoyante. Mais tout d'abord, je pense que c'est inévitable que je vous partage mon histoire. Moi, j'ai été diagnostiquée à l'âge de 4 mois avec un glaucome congénital. Donc, brièvement, là, le glaucome, c'est une pression oculaire qui est exercée en continu sur les nerfs optiques. Donc, le nerf optique, c'est le lien direct de l'œil au cerveau. Ce qui peut arriver dans le cas où la pression est mal contrôlée ou dégénère, si les pressions sont trop hautes, ben le nerf optique, ben il est écrasé. S'il est écrasé, ben le contact se rend plus au cerveau. C'est une maladie qui est, oui, dégénérative, mais s'il est bien contrôlé, il y a beaucoup de gens qui peuvent faire une belle vie avec une bonne vision, avec un glaucome bien contrôlé. Dans mon cas, ça a été ma chance jusqu'à il y a un an et demi où là, la maladie a dégénéré et c'était impossible pour les médecins de contrôler la pression dans mes yeux. Donc, ce qui a entraîné une perte de vision assez, assez importante. J'ai perdu la vue à 30 ans et quelques mois. J'ai perdu la vue à 30 ans, là, peu importe, là, j'ai plus 4 ans. 4 ans et 3 quarts. Je suis passée de la fille qui avait son permis de conduire, qui travaillait et qui était récemment nouvelle maman à tu vois plus, puis débrouille-toi comme ça. Donc, le coup a été un peu dur à encaisser, mais c'était quand même pas la fin du monde. C'est une épreuve majeure dans une vie que c'est pas tout le monde qui va avoir à relever ça comme défi dans sa vie, et tant mieux. C'est un peu ce qui me motive à vous parler aujourd'hui parce que je trouve mon vécu différent. Puis, je trouve que il y a beaucoup à dire sur le sujet. Je pense que ça serait un plus pour tout le monde de savoir ce que c'est la réalité d'une personne non-voyante. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je tiens à mentionner qu'il y aura d'autres vidéos. Restez à l'affût. Et n'oubliez pas de venir me suivre sur Instagram et Facebook. Et vous pouvez toujours cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. À bientôt! Ciao, ciao!